Le voilà. Alors, tu l'as trouvé ? Ouais. Il est là-bas. Allons-y. Il aurait pas dû la garder. Ouais, je vais lui faire regretter. Mais où est-ce qu'il se cache ? Je suis sûr qu'ils vont venir chercher la carte d'accès. Tu m'échapperas pas. Surtout, il faut pas qu'on perde de vue. Ils m'ont eu au barrage de Duskae. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Au nom de notre empire. Et pour l'honneur de ma famille, je laverai l'affront qu'ils m'ont fait. Il a mis des gardes partout. Attends, on peut peut-être passer ailleurs. Je sais, il n'y a qu'à passer par les toits. Si la machine marche comme prévu, il ne devrait plus vraiment me poser de problème. Je n'ai pas pour ordre de les éliminer, mais... un accident est vite arrivé. Mieux vaut tuer ce freluquet maintenant. Nous éviterons le sacrifice de nombreuses âmes innocentes. Préparez-vous. On arrive à l'Estaloum. Wouhou ! On va enfin voir le festival des assassins ! Oh, ça faisait super longtemps que j'avais envie d'y aller. Noct. N'oublie pas que nous sommes recherchés par l'Empire. Ne te fais pas remarquer. Ça va, je sais. Ah, pour une fois qu'on peut s'amuser, autant en profiter. T'as vu ? Il y a des bannières partout ! J'ai vu. C'est trop cool, j'en ai des frissons. Carrément ! Pourquoi ils sont excités comme ça, ces deux-là ? C'était leur rêve. Assassin's Creed est l'un des jeux préférés de Noct. Tu comprendrais si tu y avais joué, toi aussi. Oh là là, ça va être génial ! Ouais, c'est pas du tout la même ambiance que d'habitude. J'arrive pas à y croire ! Ah, il y a beaucoup de voitures. Noct. C'est pas la meilleure tenue pour une ville où il fait si chaud. Ce serait bien si c'était comme ça tous les jours. Regarde ça, Tronto. Entre fort ! Ils font descendre la foi ! Qu'est-ce qui leur prend de faire ça ?
C'est super dangereux. Il saute dans du foin. La chute est amortie. C'est le saut emblématique des assassins. Allez, à vous. Tu veux essayer, hein? Ah non, je vois pas de quoi tu parles. Mais oui, c'est ça. Chasseur et ses amis? Ouais, carrément, c'est des bons clients du garage. Vous avez l'air de bien vous connaître. On est faites du même moule. Au fait, c'est quoi exactement ce Festival des Assassins? Le Festival des Assassins, à la base, c'était en l'honneur d'un célèbre assassin qui... C'est à toi que j'ai demandé? Je fais partie du comité du festival, je vous ferai un résumé tout à l'heure. On prête des costumes pour les gens qui veulent se déguiser. Je vous force pas à les mettre, hein, bien sûr, mais vous devriez les essayer. On va pas se faire prier, hein, Note? En portant un costume d'assassin, on devrait se fondre plus facilement dans la masse. Bon, ben, si c'est pour se faire plus discret... Ouais, allez, cache pas ta joie. Je suis sûr que t'attendais que ça, en vérité. J'ai l'air d'un vrai assassin comme ça. On a la classe. On est comme un groupe d'assassins. C'est quand même... très dénudé. Moi, je trouve ça pas mal. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Bah voilà, ça vous va plutôt bien. C'est vrai. Eh ben, c'est super, ça vous change complètement. J'aurais préféré qu'il y ait un peu moins de parties découvertes. Vous êtes prêts pour le festival? Allez, j'espère que vous vous amuserez bien. Bon, moi je propose qu'on se sépare. J'ai encore plein de trucs à demander à ces demoiselles. Oh, vas-y, t'abuses là. Ok, Prompto, tu viens avec moi? Hein? Bon, d'accord. Entendu. On se retrouve plus tard à l'hôtel. Ça marche. Bon, à tout à l'heure. Je ne sais même plus si je suis déjà allée là-bas. Là aussi, c'est plutôt calme. Ouais. Bon, on y va? Ce soir, j'aimerais que ce soit un moment spécial pour nous deux. Moi aussi. Alors j'ai pensé qu'on pourrait faire un truc inoubliable. Un saut de la foi à deux. Cette année, c'est magnifique, la nuit, avec toutes ces lumières. C'est vrai. Même toi, t'es plus beau à la lumière des lampions. Content de vous voir. Je vous loue une chambre? Salut. Noct. Il y a des soldats de l'Empire en ville. Hein? Pourquoi? Apparemment, ils sont venus ici à votre recherche. Sérieux? Ils ont choisi le meilleur moment. Ils veulent installer une espèce de grosse machine dans la centrale. Oli essaie de les repousser à l'entrée. Et elle est toute seule? C'est plutôt inquiétant. Oh. Et les autres, ils sont où? Ils sont allés checker la voiture. D'accord. Prompto, on va voir si Oli a besoin d'aide. Merci les gars. Je compte sur vous.
Allons-y. C'est parti, en avant. J'espère qu'Oli va bien. C'est des soldats de l'Empire. Tu sais qu'ils sont sans pitié. Mieux vaut faire vite. Sécurisé. Nous sommes prêts à courir le risque d'un incident. C'est totalement irresponsable. Je n'ai que faire de la vie d'une habitante d'un territoire annexé. En tout cas, il faut que vous me rendiez les cartes que vous avez données à vos hommes. Sans elles, je peux pas surveiller les machines de la centrale. Ça n'a aucune importance. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous obéir bien sagement. N'oubliez pas à qui vous parlez. C'est notre empire qui vous offre la paix et le grand honneur de partager sa gloire. Je ne vous laisserai pas entraver la bonne marche de notre opération. Emmenez-la! Il faut qu'on aille la sauver. Attends. Si on y va maintenant, il pourrait la tuer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, alors? Je sais pas trop. Mais il faut des cartes pour entrer dans la centrale. Loki les a données aux soldats, si j'ai bien compris. Bon. On les sert chacun de notre côté. Allez, au boulot. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus de force! Et merde! Repli stratégique! Ouais, je m'en suis tiré. On devrait retourner à l'hôtel. Ouais, t'as raison. Mince, l'entrée de l'hôtel est bloquée maintenant. Bon, et ben on n'a qu'à passer par une autre entrée. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mes forces tout à coup. À mon avis, c'est à cause de leur machine. Elle agit sur tes pouvoirs. Elle crée un champ de force qui nous affaiblit. Qu'est-ce qu'on peut faire? A priori, récupérer les cartes d'accès. Et pénétrer dans la centrale pour arrêter cette machine. Je veux bien, mais dans cet état, ça va être chaud. Si on faisait comme les assassins. D'un coup de lame. En douce. Sérieux? Bon, eh ben... on n'a pas vraiment le choix. Bien. Alors, on se fond dans la foule et on essaie de récolter plus d'infos. Nocte, tu restes avec Prompto. Monte sur la tour à l'entrée et de là-haut, repère la position des soldats. D'accord. Je vais vous aider. Dites-moi ce que je peux faire. Rien du tout. Il n'est pas question qu'on te mette en danger. Oli est pratiquement comme une sœur pour moi. Je ferai tout ce que je peux pour la sauver, que tu le veuilles ou non. Bon, eh ben, comme tu veux. Merci. Alors, on compte sur toi. Bon, allons-y.
Les assassins ont dû voir de sacrés paysages. Je crois qu'il vaut mieux pas que je saute de ce côté-là. Wow. Synchronisation terminée. Tu t'es cogné la tête en tombant ou quoi? C'était trop kiffant. Je savais bien que t'avais super envie d'essayer. J'ai à peu près repéré où ils étaient. Ok. Je vais noter tout ça, et je vais prévenir Ignis et Gladio. En attendant, on peut déjà s'en faire quelques-uns. Tu t'amuses bien, là ? Ouais, ça va. Ils pourraient quand même aller faire ça ailleurs. Ils sont chauds à l'Estaloum, ça c'est clair. Hé, hey, t'as vu la blonde avec le blouson jaune et le mini-short? Tu vois le soldat qui est là-bas? Il a une des cartes d'accès. Ouais, il est trop méfiant, lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais attirer son attention. Et après? On fait quoi? Et après... T'as qu'à utiliser ta cervelle! Hello! Hein? Attends! Oh, c'est pas vrai! Alors, c'est comment à l'intérieur? Y'a rien de spécial. Tu sais que t'es pas un assassin. On pourrait te prendre pour un voleur. Le saut de la foi, il y avait une super vue. Sérieux? T'as pas froid aux yeux, toi? Voilà le prince des poubelles. Enfoiré. Alors, on a toutes les cartes? Non, apparemment, c'est Loki qui a la dernière. Noct, remonte au sommet de la tour et essaie de repérer Loki. D'accord. Et une fois qu'on aura sa carte? J'irai arrêter la machine qui vous affaiblit. Hein? Mais t'es sûr, Cindy? Je suis déjà allée plusieurs fois dans la centrale. Et en matière de machine, je pense que je suis la mieux placée. Et puis, c'est ma meilleure amie qui est en danger. Je vais pas rester là à me croiser les bras. Il faudra quand même que l'un d'entre nous t'accompagne. Cindy, je compte sur toi.
Le voilà. Alors, tu l'as trouvé ? Ouais. Il est là-bas. Allons-y. Ils vont venir chercher la carte d'accès. Tu m'échapperas pas. Surtout, il faut pas qu'on perde de vue. Ils m'ont eu au barrage de Duskae. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Au nom de notre empire. Et pour l'honneur de ma famille, je laverai l'affront qu'ils m'ont fait. Il a mis des gardes partout. Attends, on peut peut-être passer ailleurs. Je sais! Il n'y a qu'à passer par les toits! Si la machine marche comme prévu, il ne devrait plus vraiment me poser de problème. Je n'ai pas pour ordre de les éliminer, mais... L'accident est vite arrivé. Mieux vaut tuer ce freluqué maintenant. Nous éviterons le sacrifice de nombreuses âmes innocentes. Je vais tuer le prince du Lucis. Il le faut pour apporter la paix dans le monde entier. Il faut que je fasse vite. S'il continue, il va rentrer dans la centrale. Je crois que j'arriverai jamais à passer cette fois. Je peux plus te suivre. Désolé. Qui êtes-vous ? Un simple assassin de passage. Imbécile. Éliminez-le ! Dirigez-vous vers le refuge le plus proche. Où est-ce qu'il est ?
Récupère la carte d'accès. Quittez la ville, toi et tes jouets. Et jusqu'à quand comptes-tu jouer au petit assassin, Prince Noctis? Oh, tu savais que c'était moi? J'étais persuadé que tu viendrais pour me reprendre la carte. Tu es tombé dans notre embuscade. Tu ne t'en sortiras pas. Tuez-le! Espèce de lâche. Une merde! Des plumes? Ouais, t'inquiète pas. Noct, qui va lui servir d'escorte? Hein? Moi? D'accord, avec plaisir. Y a aucun problème. Bon, on y va. Merci de m'accompagner. Merci. Je vous dois une fière chandelle. C'est de ma faute tout ce qui est arrivé. Cindy, heureusement que t'étais là. Sans toi, on s'en serait jamais tiré. Tu parles. Oli a été génial. Je suis contente qu'on soit tous vivants. En tout cas, maintenant, la rumeur court qu'un descendant des assassins a donné une leçon à l'armée impériale. Voilà une bonne nouvelle. Cette rumeur va nous arranger. On va croire qu'ils existent encore. Ça fait rêver les gens. Et d'ailleurs, si ça se trouve, il y en a vraiment. Quand j'y pense, je me sens proche d'eux, finalement. Les assassins et nous, on se bat tous dans l'ombre contre les mensonges des tyrans. Comme le dit leur devise, rien n'est vrai, tout est permis. Ouais. Et voilà, je savais bien que tu la sortirais. Mais je comprends. Moi aussi, je suis prêt à briser tous les interdits.
si c'est pour défendre ce que j'ai de plus cher.